Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Saint-Jean Coloriage. Aujourd'hui, je suis là pour un colorion ensemble dans les vitraux Disney. Ça fait longtemps que je dis que je vais vous en faire une. Et cette journée est arrivée. On va faire lui avec le Bambi. Et je vais les faire avec mes ébrèches d'erreur. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est que je vais faire des parties. Je vais quitter, je vais aller mettre sur pause la vidéo, je vais aller finir la partie, je vais revenir, je vais faire d'autres parties. Comme ça, c'est moins long comme vidéo, mais vous autres aussi, tu pourrais le faire aussi. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te mettre plus proche, puis on va commencer ça. Fait que me voilà de retour. Fait que comme premier crayon dans les ébrèches d'erreur, je vais prendre le 179 Le Bistre. 179 Bistre. Et c'est là, ici, où ce que je fais mes choses. Fait que là, je vais faire le en dessous, ici, avec cette couleur-là. Donc, je vais en mettre dans un coin. Et je mets jamais la couleur le plus possible sur le même côté. Et je vais mettre du pigment. Mais c'est j'aurais pas le choix de le mettre, mais à la même place. C'est rare, mais ça peut arriver. Fait que ça, c'est ça pour lui. On va regarder. Moi, j'ai le Disney's Who's Who. Et je veux regarder pour l'emplacement. Fait qu'il y en a sur son ventre aussi. Ici. Juste ici en dessous. Et ici, c'est la même couleur. Fait qu'on va faire ça. Je vais en mettre sur son ventre. Je trouve ça dur à comprendre. Attends, on va regarder parce que moi, je veux être sûr que je le fais comme il faut. Hein? Fait qu'on va le faire. Comme en avant. OK. On va y aller. Là, toujours avec le 179 Le Bistre. Je vais en mettre ici, sur sa jambe aussi. Fait qu'on va faire ici. Je veux pas qu'elle ait un col. Fait que là, il va là. Lui, il va venir ici. Et lui, ici. Lui, en bas. Et lui, en bas. Là, tu demandes, oui, mais tu remplis pas. Tu vas comprendre, je vais te montrer qu'est-ce que je fais avec ça. Même chose ici, en dessous le ventre. J'ai tendance à vouloir faire tout ça. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait qu'on va mettre du brun ici. Du bistre. Car là, je change. Je veux pas les mettre dans le même sens. Comme ça. Parce que ça fait mieux ces carrés-là. Lui, il va être en bas. Lui, il va être en haut. Lui, il va être comme ici sur le côté. Je sais, j'en ai qui collent. On n'a pas de choix des fois. Pas juste que tu choisis lequel tu veux qui colle le plus. Et on va aller comme ça ici. Et comme ça ici. Et on a l'intérieur de sa jambe. Ici. Fait que juste pour te montrer. On va faire ça en haut ici. En bas ici. En bas là. En bas ici. En bas. En bas. Et lui va être en haut. On va continuer. Là, je vais juste mettre ce couleur-là où ce qu'il va. Je ne te vois pas comme toi. Attends. On va juste ça. Voilà. Désolé. On va essayer de faire ça le mieux possible. Faut que je vais continuer. Lui, il va être en haut. Lui, il va être ici. Qui s'en vient par ici. Puis lui, il va venir par ici. OK. Là, on va regarder si je vais mettre cette couleur-là ailleurs, taille dedans. Et oui, il va avoir une petite place en haut. Faut qu'on va avancer ici. Puis je vais le mettre ici. On va commencer comme ça. Il n'y a pas de sens, hein? Tu peux les mettre comme tu veux, tes couleurs. Comme là, je fais le triangle. Ça, tu fais comme ça. Comme ça. Excusez. Comme ça. Toujours avec le 179, le best. Comme ça, ici. Ici. Lui va aller là aussi. Et lui. OK.
Fait que voilà, je pense que ça, c'est toutes les places que je vais mettre le bistre. Je pense, on va checker. À l'intérieur de ses oreilles, puis sur son museau aussi. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux que tu sois capable d'aller faire qu'est-ce que tu veux quand on est fini un parti, qu'on peut tout humidifier, puis tu sais où est-ce que tu vas. Puis tu sais surtout comment qu'on va faire pour humidifier aussi. Puis ça s'en vient. T'inquiète. Fait que voilà, ça c'est ça. Fait que là, moi j'ai mon houppette parce que tu vas voir, je vais ôter le pigment souvent sur mon pinceau réservoir d'eau. On va être sûr qu'il est propre parce que je le prends pour une autre image. J'ai mon pinceau réservoir d'eau qui commence à être magané. Faut vraiment que je trouve une autre sorte que j'aime. Fait que voilà, on va mettre mon houppette à portée. Je sais, elle sale parce que je veux que tu vois à fréquence que je vais aller humidifier ça. Fait que là, vu que la vente ici va être plus facile à voir, on va faire ça. Fait que comment que je fais pour humidifier? Je mouille la place et là, je viens chercher un petit peu de pigment puis je le ramène. Et je vais venir chercher un petit peu plus puis je le ramène. Et encore, et je le ramène. On va faire ici aussi. Comme lui, je trouve qu'il va manquer. Fait que je vais prendre le 179 encore. Et je vais en mettre plus. Mais si jamais tu trouves que lui est trop pâle, tu le laisses sécher, t'en remets, puis tu peux le retravailler. Fait que là, je mouille. Je ramène le pigment. Je vais plus loin. Là, je trouve qu'il y en a trop. Fait que je vais en ôter. Et voilà. C'est juste ce qu'on cherche. Puis on va faire ça pour toutes les corrigants. Ici, on mouille. On ramène le pigment. On va chercher plus, on le ramène. Mais là, je trouve qu'il y en a trop, faut que j'en ôte pour compléter le carré. Tiens. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, on va en faire une coupe encore. Et après, je vais aller terminer tout ça, puis je vais te revenir. Donc, on mouille, on ramène le pigment. On mouille, on ramène le pigment. On mouille le carré. On ramène le pigment. Dans le fond, vu que c'est un vitraux, on veut pas que la couleur soit fixe partout. Mais ça, c'est qu'est-ce que moi j'aime. Si t'aimes pas ça, t'es pas obligé de le faire comme que je fais. Fait qu'on mouille, on ramène le pigment. On mouille, on ramène le pigment. Pas plus compliqué que ça, mes vitraux. J'ai pas de gesso, j'ai rien en arrière. Ça gondole légèrement les pages, mais pas plus que ça. Fait que moi, je fais toujours mes vitraux comme ça. Voilà. Fait que je vais aller tout terminer ça. Tout où ce qu'on a mis la couleur. Donc, son ventre, son jambe en arrière, son autre jambe, son cou, son museau et ses oreilles. Et je vais te revenir après ça, puis te montrer ça. Fait que je te dis à très bientôt. Fait que moi, voilà. Terminé, j'ai fait les oreilles, tout ça, et en bas. Et là, on va faire le corps. Et pour faire le corps, moi j'ai choisi le Burnt Sienna 283. C'est de le faire voir. Burnt Sienna 283. Si t'as mieux, la prochaine fois, je peux faire des petits cartons. Tu me diras si t'as mieux ça. Fait que là, pour ce qui est du corps, on va procéder d'une même manière. On va juste te placer mieux parce que je veux pas t'accrocher non plus. Tiens. Parce que je vais avec un espace très limité. Fait que, on va commencer en haut ici. Même principe. Fait que là, je vais commencer là. On va mettre le pigment. On essaie de pas mettre le pigment sur la même place sur deux, comme ça, tu vois. On va à des places différentes. Je sais pas si je te bloque, on va essayer de pas te bloquer quand même, là. Et voilà. Oups. Là, j'ai ces deux-là, parce que j'ai trompé. Il aurait fallu que je mette le pigment là. Je l'ai mis en bas. C'est pas grave. Ça peut arriver. C'est parfait. C'est pas grave. Ça, c'est, je portais pas attention. J'étais trop content
de pouvoir faire ça avec toi, mais avec vous autres. Et tu sais, on n'est pas tout parfait. Fait qu'on va mettre le pigment partout, partout. Là, je suis en train de descendre sa jambe. Je te montre. Tu vois, comme là. Son proche, mais lui est en bas, puis lui est en haut. Fait que techniquement, ils sont pas à la même place. Fait que ses quatre jambes vont être faites avec ces couleurs-là. Et son corps aussi. Fait qu'on va faire le corps en partie. Juste pour que tu puisses voir. Fait qu'on va faire du pigment là et là. Là, je suis encore mouillée. Fait que, généralement, tu peux attendre si t'as mieux que ça sèche. Mais c'est pas long, généralement. Donc là, on fait ça. Là, lui est en haut aussi. Lui, on va faire comme ça. Et lui, on va faire comme ça. Et lui, on va faire comme ça. C'est vraiment comme tu veux, comment tu ressens que tu veux que ça marche, tu sais. Comme ça, ici, va monter. Oups, j'essaie de pas te bloquer. Peut-être je devrais checker pour mettre mon caméra de l'autre côté, je sais pas. Fait que tu vois, on va mettre le pigment. Un petit peu comme on veut. Pour assurer. Fait que là, moi, je vais faire tout son corps et ses jambes. Et on va regarder, j'en fais-tu cette couleur-là sur son visage aussi. On va voir. Y avait du pâle autour de ses yeux. Donc, on va mettre du 179 autour de ses yeux. Faut qu'on va aller, j'ai oublié. Fait que là, je vais prendre le bistre 179. Puis, il y en a autour de ses yeux. Fait qu'on va aller le remettre. Le bistre 179 autour de ses yeux. Donc, voilà. Eh oui, il va en avoir deux qui collent. Ça arrive. Et le reste de son visage, il est quoi? On va aller regarder. Oui, la photo que je prends, c'est celui-là. Donc lui, je pense que je vais mettre une couleur juste plus foncée et je vais mettre sa face du même couleur et son oreille de la couleur 283 Burnt Sienna. Fait qu'on va faire la même chose. Et on va mettre ça comme qu'on veut. Et voilà. Donc lui va aller comme ça. Lui va aller comme ça. Lui comme ça. Lui comme ça, ici. Lui comme ça. Et lui va descendre quand même parce que c'est un gros morceau. Donc voilà. Là, je vais arrêter ici. Parce que ça, ici, je veux mettre une autre couleur. Mais sa face va être cette couleur-là. Et son corps aussi. Fait qu'on va aller faire ça. Puis je vais te revenir, je ne sais pas quand, ça peut prendre quelques heures. On va voir, c'est quand même beaucoup. Je vais aller faire tout ça. Pour vous autres, ça va être comme 2 minutes. Pour moi, ça peut être plusieurs heures. Parce que j'ai quand même à colorier tout ça. Mais avant, on va juste finir le visage parce que je veux te refaire. Je veux te remontrer comment je fais pour humidifier ça. Fait que, toujours mon pet que j'ai trouvé. Il est tout sale. Mettre ici, en haut, mon pinceau à réservoir d'eau. C'est pour que j'ôte l'eau. J'ai oublié de dire, c'est pas obligé d'être les mêmes crayons aquarelles, tu sais. Moi, j'ai des Airbrush d'horreur, j'ai aussi des Aquablend, j'ai Caker Intense, j'ai aussi Derwent Watercolor, mais tu peux prendre n'importe quel crayon aquarellable. Tu trouves des couleurs similaires, puis ça va marcher. Fait que, aussi, quand tu vas servir ton pinceau, si tu veux voir s'il est trop humide, tu passes sur toi. Comme là, moi, il est trop sec. Fait qu'on va sortir un petit peu d'eau. Puis là, il est correct. Parce que quand je touche, je regarde, tu vois, c'est légèrement comme juste très, très légèrement mouillé. Mais ça, on va essayer de le montrer. Juste comme si je souhaitais un petit peu.
C'est la seule façon que je vois comme pour le dire. Faut qu'on va retourner ici. Faut qu'on se souvient, on humidifie un carré. En premier, là, on descend, on prend un petit peu de pigment, puis on le monte au complet. Descend. Là, il y en a trop, on en ôte. On le remonte le carré, on descend, on en prend plus. J'en ôte. Puis là, on va essayer de adoucir la ligne. Des fois, ça marche pas, d'autres fois, ça marche. C'est pas parfait, c'est pas une science, c'est vraiment nous autres qui essayons de faire de quoi. Mais moi, c'est comme ça que je fais toutes mes vitraux. J'aime ça, je trouve ça très relaxant. Même si des fois, j'ai plus de lignes que d'autres, c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà. Tu vois, des fois, ça marche mieux que d'autres. Je sais pas. C'est moi qui donne pas assez d'eau ou qui mêle pas assez, je sais pas. Fait que voilà. On mouille le carré. On ramène le pigment jusqu'au bout. On va chercher un petit peu plus. Puis on dilue en ramenant au bout. Qu'est-ce qu'on fait? On veut la diminution. Comme ça, c'est pas très bien réussi, mais lui, il est bien réussi. Fait qu'on mouille le carré, on ramène du pigment. Toujours en ramenant jusqu'au bout. On l'autre s'il y en a trop. Voilà. Encore, on mouille le carré. On va chercher un petit peu de pigment. On le ramène au bout. Un petit peu plus, on le ramène au bout. Un petit peu plus, puis on le ramène au bout. Et voilà. Pas plus dur que ça. Une dernière. On mouille le carré. On va chercher un petit peu de pigment. On le ramène au bout. Un petit peu plus, on le ramène jusqu'au bout. Et un petit peu encore, puis on le ramène jusqu'au bout. Donc voilà. Donc moi, je vais aller faire tout le corps, tout le visage, comme que je t'ai dit. Puis je te reviens pour la prochaine partie. Faut que je te dis bye-bye. À la prochaine. Ben, moi, je te dis pas bye-bye, ouais. Je te dis à tantôt, c'est pas bye-bye, il est pas fini. On va faire tout ça ensemble. Fait que, moi, je te dis à tantôt. Pour toi, ça va être une seconde. Pour moi, ça va être plusieurs. À tantôt. OK, me voilà de retour encore. J'ai terminé toutes les parties en question. La face, le corps, comme que je t'ai dit, le corps et la face. Excuse-moi, je te fais bouger, mais je vais te montrer. Là, je vais prendre ma couleur la plus foncée. Le 280 Burnt Umber. Je vais faire sans barbe, mais le poil qui est là et son panache. Fait qu'on va faire ça ensemble. Je vais te mettre un petit peu plus proche. Je te reviens. D'accord, mais voilà. On va procéder comme la dernière fois. Juste faire ça ici. Moins d'ombrage. Question de moins d'ombre. On choisit où est-ce qu'on met la couleur. La couleur, c'est la 280, Burnt Umber. J'essaie de te le faire voir. Voilà. Et on fait comme la dernière fois. On dépose notre pigment. On essaie de pas mettre les deux foncés à la même place, tu sais. Comme côte à côte, lui, il serait plus bas. L'autre, il serait en haut. C'est pas même, c'est pas tout en haut, pas tout en bas, tu sais. Je vais faire juste une partie. Comme que j'ai fait la dernière fois. Et je vais finir ça hors caméra. On va aussi commencer la Bambi, aussi avant que je quitte. Fait que là, je vais faire, j'ai ma petite poupette. Tout ça, je devrais prendre le pot. Tiens. Lui, il va aller se faire laver. Faut que je prenne mon poupette. Tout propre. Tu n'as jamais servi. On va placer ça en haut là. Et mon pinceau. Oh, il est sale. On va le laver. Tiens. Check, il n'y a pas trop d'eau. On s'entend. Je check. Tu vois, juste un petit peu. Et là, on va commencer comme que je t'ai dit. Dans l'espace clair, monte dans le pigment, on le ramène. Remonte dans le pigment, on le ramène. Puis on va jusqu'au bout, puis on fait ça. Si tu as trop de pigment, tu en ôtes. Si tu trouves qu'il y en a pas assez, tu en rajoutes. Mais à date, moi, je trouve que ça va bien.
Je suis très content avec le résultat à date. Là, qu'est-ce que je veux faire? C'est qu'on va faire ces petits bouts-là. On va faire la Bambi à côté, que tu ne vois pas pour le moment. Je te le montrerai après. Donc, n'oublie pas, le côté clair. Et on le ramène. On retourne au pigment. On le ramène d'un côté. Voilà. Et une autre fois, je vais juste faire ça. Puis je vais te montrer sur le panache aussi. Fait que le côté blanc, on ramasse un petit peu de pigment, on le ramène. Un petit peu plus de pigment, on le ramène. Et jusqu'au bout, puis on le ramène. Et comme je vous dis, c'est comme ça, moi, j'ai fait toutes mes marque-pages. Ah, pas mes marque-pages. Mes vitraux. J'ai les marque-pages en tête parce que j'adore faire ça. Je vais m'en procurer d'autres. Finalement, c'est officiel. Mon mari m'a dit, s'il n'y a rien change, on va à dessert en fin de semaine. Peut-être je vais revenir avec d'autres marque-pages, on ne sait jamais. Ça serait trop hot. C'est sûr, je renouvelle mes polychromos. J'espère qu'il y a toutes les couleurs que je veux. Sinon, c'est pas grave, je vais m'arranger. Je vais en commander en ligne qu'est-ce qui me manque, mais je l'espère. Demain, c'est jeudi. Vendredi, j'ai José Colori qui vient me voir. Ça n'a pas eu lieu l'autre fin de semaine. Sa petite était malade. Faut qu'on va espérer qu'elle filme mieux cette semaine pour petite cocotte à Santa Marle. Écoute, quand on est malade, on planifie pas ça. Faut qu'une dernière. On va dans le clair. Oups. Tiens, désolé. On va dans le clair, on ramasse le pigment, puis on le ramène dans le blanc. Je dis clair, on dit blanc, hein. Puis oublie pas, si tu trouves trop de pigment, tu l'autre. Puis tu continues. Fait que voilà, ça c'est pour le côté. Ici, je vais tout faire ça. Et là, on va faire un petit peu de la panache. On va monter pour la panache. Voilà. Désolé, là on approche haut dans le livre. Fait que pour le panache, on va faire lui. D'habitude, j'y aurais fait une sur le côté ou quelque chose, mais je veux juste te montrer. Fait que là, on va mettre du pigment sur chaque section. Comme on fait avec l'autre. Comme lui, c'est gros, fait que je vais peut-être faire plus un triangle. Comme ça. Lui, il saute. Lui, ici. Toujours de la même manière. Comme lui, je vais le faire pour qu'il aille de côté. Fait que voilà. Fait que comme ça, je ferai toute la panache comme ça aussi, avec la couleur 280 Burnt Umber. Mon pinceau à réservoir d'eau, je peux pas te dire c'est quelle marque parce que je le sais pas. Mais je sais que ça m'a gagné, puis ça me prend du nouveau. Fait qu'on fait de la même manière. On va dans le blanc. On le mouille le blanc dans le fond et on ramasse le pigment puis on le ramène. Pour bien sûr d'avoir pas trop d'eau. Et voilà, puis pas trop de pigment. Donc lui est fait, on va faire lui aussi. Voilà. Et encore. Ça fait longtemps que j'étais demandé de faire ça, puis je l'ai pas fait. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Donc là, le blanc jusqu'au pigment, on prend un petit peu de pigment, on le ramène jusqu'au bout. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Toujours même affaire. On mouille le blanc puis on ramène le pigment. Et il devrait faire un dégradé doucement en faisant ça. Voilà. Et voilà. Fait que ça, c'est comme ça qu'on va faire le panache. Fait que je trouve que c'est bien comme ça pour le panache. Ensuite, j'espère que ça te donnera pas trop d'affaires, mais tu sais, tu vas à ton rythme. Ensuite, on va faire le Bambi. Ici. Le petit Bambi. Fait que pour ses côtés clairs, on va prendre le bistre, le 179. Là, le Bambi est très petit, fait que
comme que je te dis, le Disney Ouzo, comme ça, qu'on peut acheter sur Amazon, moi, je regarde. Fait que tous ses yeux, ses oreilles, puis son nez, puis, OK, on a une idée. Fait que là, on va venir prendre le bistre, 179, et on va faire le Bambi. Tout ce qui manquait pas. Fait qu'on va commencer ici. Et autour de sa bouche. OK. Moi, je vais faire l'en dedans de ses oreilles. Même s'il monte, c'est l'extérieur. Moi, je fais l'en dedans. Ici. Sa petite torse. OK. Ses intérieurs de jambes. Oh, son bédon aussi, hein? Faudra pas oublier son petit bédon. Je vais faire ses picots, mais on va peut-être les refaire avec. On va faire ça aussi. Avec du blanc, je suis pas encore sûr. Mais là, j'aime mieux mettre les couleurs dedans. On va checker la petite ligne sur son dos s'il monte. Il fait la même couleur. Fait que voilà. Ça, c'est ça pour celle avec le bist. Fait qu'on va faire tout ça ensemble. Et après, on va regarder pour finir le Bambi. Puis, je vais quitter. Je vais aller compléter les deux sœurs. Puis, je vais revenir. Puis, on va faire les fonds. Comme des autres, on va mettre l'eau à la blaire. Puis, on ramène la pigment. Juste mettre ça parce que j'ai accroché la caméra. Fait que l'eau à la blanc, puis on le ramène dans le pigment. Toujours, toujours le même principe. S'il y a trop de pigment, tu t'essuies. Moi, c'est ça que je fais. Voilà. Et encore une fois. Voilà. J'espère juste que ça va fitter avec la couleur que j'ai choisie, mais c'est pas grave. Tu peux choisir vos couleurs si tu n'aimes pas celle que je trouve. Puis comme je vous ai déjà dit, si tu n'as pas d'Albrecht Dürer, prends l'équivalent dans qu'est-ce que tu as. Je cherche une belle petite gamme à budget pour faire ça avec vous autres, mais pour le moment, j'en ai pas. Puis j'en visionne pas d'en acheter, mais je suis ouvert à des suggestions. Comme ça, je peux les rajouter sur ma liste de souhaits. Mon mari magasine mes cadeaux là pour mes anniversaires, Noël. Fait que ça y aide. Même chose pour des pinceaux réservoirs d'eau. Si tu en as des suggestions, je suis tout ouvert à ça. Fait que d'habitude, j'aurais parti puis j'aurais revenu. Je pense que j'étais accroché parce que la caméra est vraiment proche. Éventuellement, il va y avoir un caméscope que je peux zoomer mieux. Mais là, ça fait la job, je pense. On n'a jamais eu des images aussi proches comme ça. Fait que je suis content. Tu me dirais si t'aimes le colorion ensemble comme ça. Qu'on jase puis tout. Oui, il y a des coloring chat aussi, mais tu sais, je veux faire de quoi de différent, puis j'aime ça faire les colorions ensemble. De cette façon-là, tu me dirais qu'est-ce que t'en penses. OK. On va juste checker que j'ai mis toutes les pla belles places bon. Paul, pour Bambi. Faut qu'on regarde. Tout semble correct. Fait que voilà. Le reste de Bambi, on va prendre le. Ouch! Je me suis poignardé avec mon crayon. On va prendre le 188 sanguine. Et on va faire le même principe. Pigment. Pigment. Pas coller avec d'autres pigments le plus possible. Et tu vois son visage. Fait que toutes les places qu'on n'a pas faites sur Bambi vont être cette couleur-là.
J'espère juste que c'est pas un couleur horrible. On va checker ça ensemble. On croise les doigts. J'ai été par manuancier. Oups, il y a de l'eau qui est tombée. On va essuyer ça. Espérer que c'est pas la mauvaise couleur. En date, c'est plus pâle que je pensais, mais j'avais peur de mettre trop de pigments aussi. Mais j'aime la couleur. Ok, on y va avec ça. Donc, tu vois, on met de l'espace clair, on le ramène le pigment dans le blanc. On mouille le blanc, on ramène le pigment vers le blanc. Ouais, je pense que c'est parfait pour mon petit bémi. Les yeux, on va les faire un stylo gel après. Parce qu'il est supposé d'avoir la couleur dans les yeux, là. J'ai pas oublié. Ça va être dans nos touches finales à la fin. Fait que voilà. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller finir le Bambi. Tout ce qui est sur Bambi, qui a pas de couleur, va être sanguine. Fait que tous les cheveux, ici, les jambes, le dos, l'autre, les quatre jambes. Et je vais aller faire le restant de là. Voilà. Et les panaches de la papa avec le 100, le 280 Burnt Umber. Fait que je vais aller faire ça, puis je te reviens quand ça s'est terminé. Me voilà de retour. J'ai terminé le serre. Je vais te le montrer. Ces cornes sont faites. Et c'est fait. Et j'ai terminé le petit Bambi. Fait que là, on va commencer avec le fond. Fait que je te rapproche, puis on va commencer ça. Fait que voilà. On est de plus près. Je prends mes couleurs, je prends mon pinceau. OK. Fait que les couleurs qu'on va prendre, on va prendre trois couleurs. On va prendre le Chrome Oxide Green 278. Non, 60. Oui, 78 ou 76? 78. Le Chromium Green Opaque 174 et le Earth Green Yellowish 168. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un mélange des trois couleurs. Fait que dans le fond, on va prendre le. Là, je prends le Chrome Oxide Green 278. Puis je vais faire ça dedans. Les deux voûtes. Parce que là, c'est des grands. Long morceau. Fait que, tu vois, on voit lui, il va ici. Ah, on voit pas. Attends. Fait que lui, tu vois, il est long. Fait qu'il va jusqu'à ici. Fait qu'on va faire les deux boîtes. Là, je vais prendre le Earth Green Yellowish, le 168. Et je vais venir à côté 7. Et lui, à l'heure est fini ici. Fait qu'on va pas en haut. Et le dernier, c'est le Chromium Green Opaque 174. Et on vient le mettre ici. Et le but, c'est de pas mettre les deux pareils. Fait qu'on peut entrechanger, puis c'est pas grave comment qu'on le fait. Fait que là, on va prendre 174. On va mettre à côté là. Et on va prendre le 278. On va le mettre 7, malgré j'aurais dû prendre l'autre. Tu vois, j'ai déjà fait une erreur, mais c'est pas grave. Là, on va prendre lui. Le Earth Green Yellowish 168, on va le mettre 7. Là, je suis en train de faire une erreur, je pense. On va voir. Parce que j'aurais dû entrechanger aussi, je pense. On va voir ce que ça donne. Si on aime ça, on va laisser de même. Si on n'aime pas ça, on va changer. Fait que là, on va faire lui en haut. On mouille le blanc. Et on remet le pigment dedans.
tout le chemin, puis on va chercher d'autres pigments, puis on en remet une. Comme qu'on a fait les hautes parties. OK, voilà. Fait que lui, je pense qu'on aurait dû entrechanger. Fait que on va essayer d'effacer ça. Je veux vraiment que tu vois, tu sais, on fait des erreurs. Moi, je veux la faire des couleurs différentes, mais il tient pareil que faut qu'on fasse de la même façon qu'on faisait les autres. Mais là, j'ai peur que ça va faire trop de pigments. Ouais, on ne peut pas l'effacer. Fait qu'on va aller avec, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'on va checker. Tu sais, je suis pas parfait. Je fais des erreurs. Fait qu'on va mouiller le blanc, ramener le pigment dans le blanc. Trop d'eau. On ramène le pigment. Ça, on va mouiller le blanc, puis on va ramener le pigment. Tu vois, j'ai effacé, puis même, il y a du pigment. Aurait fallu que je mette le pigment en haut pour celle-là. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être sauter puis venir en mettre plus, je sais pas. On va essayer de quoi. Ici, c'est la même chose, on mouille le pigment, on le ramène. Fait que là, je vais te montrer comment qu'on aurait dû le faire, mais que je finis ce fiasco-là. Mais je veux pas que tu penses, parce qu'il y a une erreur, que la photo va être pas beau, elle va être beau pareil. Faut jamais avoir peur de faire des erreurs. On va juste aller sur une autre partie où ce que je te montre comme faut. Fait que voilà. Fait que ce côté-là est fini. On va changer. On va faire l'autre côté. Genre ici. Quel bout? Ici. Je vais te montrer qu'est-ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire droit au départ. Fait que là, on va prendre le Earth Green Yellowish. On va le mettre en haut ici. Parfait. On va prendre le Chromium Green Opaque 174. On va le mettre ici. Et on va prendre le 278 Chromium Oxide Green. On va le mettre ici. C'est ça, il aurait fallu faire l'autre bord, puis j'ai pas pensé. C'est sûr, ça fait un look ici, mais ça va être différent ici. Fait que là, on va prendre le Earth Green Yellowish 168, on va le mettre ici. Techniquement, ils sont côte à côte, mais une, c'est là en haut, puis l'autre, c'est là en bas. Et lui, il va aller plus haut, parce qu'il va jusqu'en haut. Faut que je vais en mettre, parce que ça va être dur à amener le pigment. Et là, on va prendre le Chromium Green Opaque 174, on va venir faire en bas ici. Comme ça. Fait que je vais te montrer qu'est-ce que ça va faire en faisant ça, comme ça. Puis comme ça, tu peux décider lequel t'aime mieux aussi. Fait qu'on mouille le blanc. On pogne le pigment, puis on l'amène jusqu'au bout. On mouille le blanc. On va chercher d'autres pigments, puis on le tire. C'est sûr que c'est plus dur de faire sur une longueur de même. On va prendre la prochaine. On mouille tout le blanc. On ramène le pigment. Tiens. Oui, ça va être un look différent. Les deux styles marcheraient. Mais je voulais juste tu vois qu'est-ce que j'aurais dû faire au début. Puis non, je l'éditerai pas, puis je l'arrangerai pas. Il va rester comme ça parce que c'est ce que j'ai fait. Puis si j'essaie de rajouter d'autres affaires, ça va changer le look trop, puis ça paraîtrait plus vraiment qu'est-ce que je voulais. Fait que voilà. Et là, on va mouiller lui. On ramène le pigment en haut. Toujours, ramener le pigment en haut. Là, je te montre juste en haut qu'est-ce que je fais parce que c'est une qui s'étire plus loin. Fait que voilà. On revient ici. Et on va mouiller le blanc. Pourquoi on mouille le blanc? Ça aide le pigment à se transporter. Parce qu'on veut que le pigment vienne en haut. Puis il soit plus foncé où ce que le pigment commence, mais en l'étirant vers le haut, ça vient plus pâle.
Fait que voilà, on va continuer un petit peu. Vu que j'ai fait erreur, mais tu vois, c'est deux façons différentes. Moi, j'aime mieux ça, mais si t'aimes mieux ça, tu peux le faire comme ça. Fait que là, moi, je vais prendre le Chrome Oxide Green 278. Et je vais le mettre ici, comme ça, en haut. On essaie pas de les mettre ensemble, mais ça peut arriver, hein. Le May Green va venir ici. Non, c'est pas May Green, c'est le Earth Green Yellowish 168. Hop, si tu le vois pas, désolé. Et on va essayer de monter quand même assez haut avec celle-là. Et à côté, on va prendre celui-là. Ici, le Chrome Green Opaque 174, puis on le met en haut, là. Et ici, en haut. Pas mal parce que je vais charrier le pigment jusqu'en bas. Et on va faire celui-là, ici. Ça, c'est le Chrome Oxide Green 276. Et tu vois pas qu'est-ce que je fais. Je suis désolé. Et on va prendre la plus pâle. On va mettre ici, Earth Green Yellowish. Ici. Fait que là, on va les mouiller. Mais comme tu as pu voir, il n'y a pas de sens en qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, on mouille tout le blanc. On va ramener le pigment. On mouille le bien, blanc. On prend d'autres pigments, on l'amène. Mais on saute par-dessus le bois, le corne du cerf, puis on le ramène. Parce qu'on veut que le pigment s'étire. C'est ça qui fait le look comme si c'est un vitraux, parce que le pigment s'étire. Tu sais, c'est plus foncé ici, ça devient plus pâle. Fait que là, ici, on mouille le blanc, on ramène le pigment jusqu'au bout. Puis si tu as trop de pigment, tu l'autres sur ton éponge. Comme là, j'en commence à en avoir trop, puis je sais que je vais aller chercher d'autres pigments en bas. Fait que je l'essuie. Et voilà. Et on mouille le blanc ici. On étire. Voilà. OK, on va descendre ici. Mouiller, chercher du pigment, puis l'amener. Le plus petit espace, on va être obligé d'ôter du pigment. Qu'est-ce que je veux dire par ôter du pigment? Je prends, je viens l'essuyer, c'est tout. Parce qu'on veut pas qu'il soit trop pigmenté. Et si ton pinceau vient sec, tu as juste à sortir un petit peu d'eau sur ton guiné, puis tu check pour être sûr qu'il n'est pas trop mouillé. Fait que là, j'ai les deux grosses sections ici. Fait que là, on va le mouiller tout le long. Et on va venir chercher le pigment, puis on va le charrier jusqu'au bout. C'est plus dur quand c'est plus long, mais on arrive pareil. Parce que là, il est vraiment long, celle-là. Vraiment, vraiment long. On prend notre temps, puis on l'étire jusqu'au bout. Voilà. Comme ça. Et le T-shirt, on va le mouiller. On va ramener le pigment jusqu'au bout. Comme avec les autres. Voilà. Fait que, t'as une idée, qu'est-ce que ça va donner? Je vais t'éloigner un petit peu. Pour que tu vois l'effet qu'on essaie de faire. Tu vois, comme ça. Fait que là, moi, je vais aller faire tout le reste en l'intérieur, tout le fond, de cette façon-là. Mais si t'aimes mieux l'autre, tu peux le faire comme ça. Mais moi, je vais tout la refaire comme ça et ça. Et je vais revenir pour faire le dernier petit bout avec vous autres. Fait que pour vous autres, ça va être une seconde, mais pour moi, ça va être plusieurs heures plus tard. Fait que à tantôt. Me voilà, de retour. J'ai fini tout le fond. J'ai fini le Bambi. Là, il nous reste les yeux qu'on va finir en dernier de tout. Là, aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais faire toute la bordure. Je vais faire tu sais, comme un morceau ensemble, puis le reste, je vais finir hors caméra. Fait que,
Je vais te rapprocher, puis on va commencer ça. Voilà, on est plus proche. Là, on va prendre deux couleurs. On va prendre pour le côté orange que je vais faire, parce que le 113 Orange Glaze, je vais mettre sur les carrés et sur les lignes ici. Et le Burnt Sienna 283 pour ici, entre la ligne et le rond dans le milieu. Fait que là, comme je te dis, si je t'accroche, je suis désolée. Mon caméra est très proche de moi pour faire ça. Fait que, on va faire comme qu'on a fait avec les autres. On va mettre du pigmentation. Essayez pas les mettre toujours sur le même côté. Le plus possible. Je sais, ça va arriver. Mais, on va faire qu'est-ce qu'on peut. Fait que là, ça c'est le cercle avec le 283 Burnt Sienna. Et là, je vais venir mettre du pigment sur mes carrés aussi. Donc là, en bas. Et en bas. Et là, ça va être en haut. Fait que ça aussi, ça va être en bas. Ça aussi, ça va être en bas. Et ça aussi, ça va être en bas. Fait que là, je vais aller mettre de l'eau dessus avec mon pinceau réservoir d'eau tout magané. Tu peux prendre n'importe quelle couleur que tu as qui est similaire à ça, s'entend. On mouille le blanc, puis on ramène le pigment dans le blanc, puis on va chercher d'autres. Puis on le ramène. Puis si t'en as trop de pigment, tu y essuies sur ton titre ou perte. Comme ça. Moi, j'ai toujours le mien. Et avant d'aller sur la prochaine, on l'essuie. On remplit le blanc avec de l'eau, puis on ramène le pigment. Comme les autres fois. Fait que on va faire ça ensemble. Je m'excuse si j'ai l'air essoufflé. J'ai un petit peu de misère à respirer aujourd'hui à cause de mon asthme. Parce que c'est le smog. On est dans un gros smog warning. Je sais pas. Je sais juste que j'ai les poumons serrés un matin puis je suis sur mes pompes à côté. Fait que, on y va. C'est comme si lui, je l'ai mis sur le côté. Il aurait fallu que je le mette en bas. Il n'y a rien que je peux faire pour ça. Faut qu'on y va avec. Mais c'est pas grave, là. Ça gâchera pas pour autant, hein? Fait que là, on y va. On mouille tout le blanc. Puis on ramène un petit peu de pigment jusqu'au bout. On vient chercher plus, puis on le ramène jusqu'au bout. Là, je commence à en avoir. Faut on rince sur notre houppette ou notre linge. Essuie tout n'importe quoi qu'on a là. Puis on le ramène. Puis on l'amène jusqu'au bout pour essayer pas de faire de ligne. Tu sais que ça fait comme une espèce de dégradé. On essaie le mieux qu'on peut. Écoute, c'est pas une science parfaite, hein? On fait attention pas mettre trop d'eau non plus. Là, je mouille. Je viens chercher mon pigment, puis je monte jusqu'en haut. Encore. Et encore. Et voilà. On va essuyer. Hein? Vous voyez le blanc. Remets le pigment en haut. Voilà, un autre de fait. Et voilà, trop de pigments. Fait que là, je l'ai trop étiré un petit peu. Je pense que je vais en faire un couple d'autres. Ça a tellement été vite. Au moins, tout ce que tu peux voir de ce côté-ci. Et tu vois, ici, ça serait... Fait que je fais le carré avant pour voir où ce qu'on va. Faut qu'on va faire ça après. Fait que là, on mouille les côtés blancs encore. On le ramène. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est notre colo. On fait comme qu'on veut. Si on n'aime pas, on retravaille dessus. Tu peux revenir quand c'est sèche puis faire un autre. Mais d'un autre côté, c'est les petits défauts. Ça montre qu'on l'a fait nous-mêmes. Fait que c'est comme tu veux. Moi, j'aime comment que c'est, même si on sait que j'ai fait une erreur ici. Ouais, tu le vois pas, mais à quelque part sur le fond. Tu l'as vu dans une précédente partie, quand je te montrais le fond. Mais tu sais, c'est pas grave. Je l'aime qu'est-ce que ça a donné. Pareil. Fait que voilà. Fait que là, on va sortir la orange. Passer l'oupette.
Puis on va faire le coin. Fait que là, le coin, ça c'est l'orange, le 113 dans les abrèches d'erreur, Orange Glaze. Et on va faire qu'est-ce qu'on peut avec ça. Parce que dans le fond, je veux voir où est-ce que je vais commencer mon brun sur ça. OK. Fait que lui, il va commencer en haut, là, puis il va descendre en faisant en haut. OK. Voilà. Et ça veut dire que ici, ça va être en haut, le brun, sur les deux côtés, en descendant. Mais ça, j'y mouillerai pas parce que je vais me tourner mon livre pour faire ça. Et ça veut dire que le orange, lui, va aller en bas, ici. Tu comprends? Faut qu'on décide en conséquence de qu'est-ce que ça donne avec le grand portrait. Fait que, tu vois, je vais faire juste le petit orange, ça risque de bien aller, là. On va faire ça. Généralement, j'aurais tout fini avant, parce que moi, j'aime ça marcher une couleur par couleur. Mais je voulais te montrer vraiment qu'est-ce que ça donne. Fait que là, on mouille le blanc. Sur les plus petits espaces, on a moins l'effet dégradé, on s'entend. Et voilà. On mouillait. Comme normalement, les carrés, j'y aurais tourné mon livre. Mais je veux vraiment qu'on voit le résultat, qu'est-ce que ça va donner quand c'est tout rempli. Puis, à la dernière partie, mais que je reviens quand tout le contour va être fini, on va mettre un petit peu de brillant, si on en a, du stylo gel pour les yeux, les deux bocs, du stylo gel blanc aussi, ou du Posca, peu importe. On va faire les touches finales. Puis après ça, elle va être finie. Fait que je vais ramener mon roupette parce que là, il était loin. Le blanc. Puis on ramène le pigment comme à tout le reste. J'espère que t'aimes ça parce que j'ai eu bien du fun à faire ça. Puis j'ai des idées pour d'autres colorions ensemble comme ça. Fait que tu me diras si t'as aimé ça. Parce que si oui, je vais en faire d'autres. C'est sûr, je vais en reparler de ça. J'en parle quasiment chaque fois que je reviens de faire des petits bouts avec vous autres. Et c'est toujours la même affaire. Hein? Si t'aimes pas ton dégradé, mais tu viens le retravailler au pays. Mais moi, j'y laisse mes petits dégradés mal faits. Ça, c'est mon choix. Parce que j'aime ça, apprendre mes choses, de mes défauts. On va descendre. On va faire un petit bout encore. Fait qu'on va faire du brun encore. Fait que là, les pigments. En bas, et en bas, en bas, et en bas, et un dernier qui va être comme ça. Parfait. Faut qu'on va prendre le haut. Mon pinceau, check s'il n'y a pas trop d'eau sur ma main. Comme ça. Ouais. C'est humide juste un petit peu. Mouiller le blanc, ramener le pigment dans le blanc. Je mouille le blanc parce que ça aide le pigment à voyager. Puis, oublie pas si tu en as trop dans sur ton loupette. Voilà. J'aime tellement faire du coin d'aquarelle. Tout ce qui est aquarellable, c'est une relaxation totale. Puis je vais la faire le contour avec toi aujourd'hui parce que je sais que j'ai misère à respirer, puis ça me relaxe. Quand on a misère à respirer, d'être relax, c'est mieux que c'est. Comme ici, t'envoies le papier comme magané un petit peu, c'est parce que j'ai comme trop mis d'eau, je pense. Ça peut arriver. Moi, je mets pas de gesso, c'est vraiment de faire attention à la quantité d'eau qu'on met. Mais moi, ça, c'est un plaisir. J'en veux plus de crayons aquarellables. Je te dis, là j'ai vu Niani en la sortie, puis ça m'intéresse pas mal. Mais pas pour le moment. Fait que là, on va faire le pigment en haut, que le brun est en bas. Tu fais l'orange, toujours l'opposé du qu'est-ce qu'il y a du brun. Fait que là, le brun est en bas sur ce côté-là, tu vois. Je l'ai mis ici, en bas. L'orange est en haut.
Et ça, ben en haut, je l'ai mis dans l'autre sens par rapport à qu'est-ce que c'est. Fait que là, on va nettoyer mon pinceau parce que je veux surtout pas de brun dans mon orange. Fait que là, on commence dans le blanc, on le ramène, on cherche le pigment, puis on le ramène. La même chose. Lui, je n'aime pas comment il est fait. On va le revenir travailler, tiens. La même chose ici. Voilà. Tu vois, j'ai pris du pigment d'un autre quand j'ai vu qu'il y en avait trop. Puis je l'ai ramené où ce que je trouvais qu'il en manquait, comme ça. Fait que voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait là. Fait que là-dessus, moi, je te laisse. Je vais aller terminer tout ça, toute la bordure des quatre côtés. Oui. Fait que dans le fond, je vais faire tout ça, et tout l'en bas. Yeah. Et quand je reviens, on va faire les touches finales pour tout compléter, puis la regarder à grand plan encore. Fait que là-dessus, je te laisse, je te reviens. Pour vous autres, ça va être un second. Moi, ça peut être des journées plus après. Fait que à très bientôt. Me voilà de retour. J'ai tout terminé le contour. Là, il nous reste les yeux, puis des petits picots. Puis après ça, on est fini. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur pause. Je vais rapprocher, puis on va faire les yeux. Fait que je te reviens, ça va pas long. Fait que voilà, on est plus proche. Là, moi, j'ai un stylo gel dans mes stylos gel artwork qui est brun. Et c'est avec ça que je vais faire les yeux. Tu peux les faire avec n'importe quel stylo gel ou crayon si t'aimes mieux. Ben voilà, ces yeux sont finis. On va bouger. Ta gare à vous pour Bambi. Et maintenant, je vais faire les yeux de Bambi. J'ai dépassé un petit peu. Ça m'arrive. Fait que voilà, Bambi est faite et son papa. Maintenant, on va prendre, je vais essayer avec ça. Un artisan gel pen blanc pour faire les piqûres. Si ça marche pas, j'ai mon Posca à côté. On va juste remplir ça avec du blanc. Ça va marcher. Ça marche parfait. Et voilà. Donc là, on va s'éloigner. On va regarder ça ensemble, tout terminé. Ça va. Et voilà, notre Bambi dans le vitreau tome 1 terminé ensemble. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai adoré faire ça avec vous autres. Fait que j'attends vos commentaires pour voir si tu veux que j'en fasse un autre, pas nécessairement vitreau, mais un autre coloris ensemble. Fait que là-dessus, moi, je te dis merci d'avoir écouté. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les nouveaux. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. C'est gratuit et ça m'occupe de ma chaîne. Si j'ai un groupe Facebook pour partager vos colos, je vais mettre un dossier colorillon ensemble. Comme ça, si tu en fais, tu peux les partager avec la groupe. J'aimerais voir vos chefs-d'œuvre que tu vas faire. Et aussi votre opinion sur la vidéo, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires en bas. N'oublie pas vos pouces bleus. Donc, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!